أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bon, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Frère a fait en votre nom une introduction et le salut par l'amour que nous nous portons en Dieu, alhamdoulillah. Que Dieu nous protège, nous guide et qu'il nous donne, bi'idhnillah ta'ala, la compréhension. D'abord la connaissance pour que nous soyons musulmans, la compréhension pour que nous soyons bien guidés et le discernement pour que nous nous soyons parmi les rapprochés, inshallah. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez tout à l'heure parlé de la viande halal et d'un certain nombre de... Vous m'entendez bien au fond? Oui? Pas trop, il faut que je parle plus près du micro, c'est ça? Il y a un autre lieu où il y a des gens qui entendent, les sœurs sont ailleurs? Oui, ils ont entendu. Les sœurs sont en haut, donc on les salue également. Même si on ne les voit pas, on les salue chaleureusement. Et donc, en l'occurrence, je vais parler comme ça. Comme ça, c'est mieux ? Oui. Très bien. Donc, les frères ont... D'abord, une chose que je voulais vous dire avant de commencer, puisque nous nous préparons au mois du Ramadan, et nous savons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était pendant le mois du Ramadan... D'abord, il était toute sa vie, il a été généreux, et pendant le mois du Ramadan, il l'était davantage encore... Et sa générosité n'était pas proportionnelle à son avoir. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, on le sait, avait peu et il donnait beaucoup. Et il savait que donner beaucoup, quel que soit ce que l'on a, c'est jamais perdre ce que l'on donne, mais c'est toujours gagner davantage en hasanat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa générosité était décuplée pendant le mois du Ramadan. Et nous allons tous entrer dans le mois du Ramadan, c'est une question maintenant de semaines et de jours, inshallah ta'ala. Et vous êtes ici dans un lieu, j'ai entendu et j'ai suivi tout ce qui concerne ce que les frères essayent de faire ici dans cette région avec un centre autour de la mosquée, un centre qui soit lié aux activités islamiques. Et je vous... encourage et je vous encourage à le faire dans l'esprit d'une compréhension de la nécessité islamique aujourd'hui de faire en sorte que votre présence dans votre pays, la France est votre pays, vous êtes français de confession musulmane, ce qui va déterminer votre avenir et vous entendez tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez que les attaques changent de nature. Autant hier on pouvait être raciste de loin, autant on pouvait avoir un discours sur l'islam qui était de loin, maintenant ça peut aller jusqu'à la violence. Et vous avez entendu cette jeune sœur dont le bébé est mort alors qu'il n'était pas né, et que tout ce qui a été lié à l'acte lui-même, la façon dont on s'est pris à son foulard, la façon dont on s'est pris à sa tenue vestimentaire, montre clairement que c'est la nature de son vêtement islamique et de sa pudeur islamique qui a été la cause de ce qui a été fait. Alors nous, on ne va pas se plaindre et on ne va pas jouer aux victimes. Quelle est la meilleure réponse à tout ceci? La meilleure réponse à tout ceci, elle est de deux natures. La première nature, c'est de très bien comprendre nous, notre religion, et d'y être ancré. C'est ce dont on va parler en se disant... D'accord. Comprendre notre religion est, par exemple, dans notre pratique, comprendre l'essence même de notre pratique, c'est ce dont nous allons parler, par exemple, avec le mois du Ramadan qui vient, Inch'Allah. Mais la deuxième nature de réponse, c'est ce que, si vous lisez un livre que j'avais écrit il y a bien des années de cela, et je l'ai repris ensuite en reconsidérant les priorités, c'est l'institutionnalisation de l'islam et des musulmans en France.
Ça veut dire créer des institutions qui soient des institutions solides, qui ne soient pas simplement des mosquées, des centres, des espaces culturels, des espaces éducatifs. Nous devons avoir des institutions indépendantes, indépendantes financièrement, indépendantes politiquement, indépendantes religieusement. J'entends par indépendance religieuse que les questions qui sont liées à notre contexte français, elles viendront de notre vécu en France, non pas pour changer l'islam. Ils ne vont pas changer. Les principes islamiques qui ne changent pas, notre prière, la aqida, les ibadat, el muharrama, tout ça, ça ne change pas. Et le wajibat, ça ne change pas. Les obligations et les interdits. Par contre, la façon dont on doit gérer le lien avec l'environnement, tout ceci, il faut qu'on connaisse notre pays. C'est votre pays. Et pour ceci, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut des gens qui aient des institutions, on doit avoir des gens qui sont éduqués, des gens qui deviennent des professionnels. Il faut institutionnaliser notre présence, professionnaliser nos actions. Institutionnaliser notre présence, professionnaliser nos actions. Ce n'est pas du dilettantisme, j'avais 2 heures de libre, j'ai fait. Non, si tu as 2 heures de libre et tu ne sais pas faire, fais pas. Mais si tu as 2 heures de libre et tu as la formation, si tu as l'expertise, eh ben on a besoin de toi. Mais des gens qui font que dans l'amateurisme, on ne peut plus se permettre ça. Les premières générations, ils sont arrivés il y a 50 ans, 70 ans. Oui, c'est normal, on commençait. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, on est la quatrième, cinquième génération. Maintenant, on a besoin d'institutions, de compréhension, de professionnalisme et de présence active. C'est les deux choses sur lesquelles on doit beaucoup insister en tant que musulman. Et vous, aujourd'hui, vous avez parfois donné de l'argent pour des mosquées, donné de l'argent pour des lieux de culte. Maintenant, il faut mettre l'argent, il faut mettre la main à la poche pour les institutions. Comprendre que c'est maintenant l'âge des institutions, de la présence culturelle, intellectuelle, institutionnelle de l'islam dans ce pays. Et vous devez y participer. Donc quand on me dit, et quand je viens dans cette mosquée, on me dit, on a un projet, regardez, on a le terrain. Subhanallah, ala barakatillah. Maintenant, il faut y aller, il faut avancer. Ça, c'est votre travail. Et n'attendez pas que l'argent vienne de l'étranger ou d'un goût. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. L'argent viendra des gens qui sont ici pour l'indépendance financière, pour l'indépendance intellectuelle et pour la compréhension de notre islam ici, à la lumière de ce contexte. Donc ça, c'est votre responsabilité. Après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on dit toujours. Vous connaissez ce qu'on dit. Natawakkalu ala Allah, thumma ala anfusina. Donc on s'en remet à Dieu, puis ensuite on se remet à nous-mêmes. Inch'Allah, il faut travailler. Ça fait partie de notre indépendance. Donc c'est votre travail localement. Et plus généralement, vous pouvez trouver du soutien. L'autre chose, c'est la première condition dont je parlais, c'est de comprendre notre religion. Parce que le mois qui vient maintenant, le mois qui vient est un mois qui est très très important, parce que qui comprend le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le hadith al-Qudsi, c'est que le mois du Ramadan, il lui appartient. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mois où je jeûne sans que personne ne le sache que moi-même. À la limite, je pourrais me cacher puis manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, même si vous ne savez pas. Il sait si je mange et il sait si je jeûne. Et il est prescrit le jeûne du Ramadan comme étant le lien qui, dans l'islam, dernière religion révélée, lie toutes les autres religions. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ça a été prescrit pour vous comme il a été prescrit pour les gens. Donc il y a dans le secret du jeûne quelque chose qui est le secret de l'islam fit tarir, c'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala, au cours de l'histoire, il a systématiquement donné une voie et une pratique. Wa likul ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Nous avons donné à chacun d'entre vous une voie et une méthodologie, une praxis, comme on pourrait traduire ceci en français. À chacun d'entre vous, j'ai donné ceci, mais ce qui est commun à tous, vous le trouverez partout, c'est rien. Toutes les communautés spirituelles jeûnent. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secret-là? Il y a la vraie compréhension de notre religion, c'est que rien, ça va être le fondement très très important de ce siyam, c'est la compréhension de ce qui est vraiment, fondamentalement, et le djihad au sens le plus noble qui soit. Djihad en nafs. Et ceci, dans notre société, il faut le comprendre pourquoi. Parce que certains d'entre nous, aujourd'hui, ils attendent le mois du jeûne du Ramadan. Inch'Allah, on dit que ce sera le 8, on dit que ce sera le 9. Inch'Allah, juillet. Et alors, on attend que ça arrive.
Et quand ça arrive, on arrête de manger, on arrête de boire. Et certains, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire et ils arrêtent de dormir pendant la nuit, ils dorment plus pendant le jour. Donc il y en a qui font, le jeûne pour eux, c'est juste, je change les horaires. Oui, je change les horaires. Il y en a même qui prennent des vacances pour dormir le jour. Et il y en a qui partent en vacances pour que les jours soient plus courts. Et à partir d'un certain moment, on peut jouer avec les règles. On peut jouer avec les règles. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre quel est le sens fondamental. Quand Allah SWT nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel est descendu le Coran. Ça veut dire quoi? Dans ce mois-là est descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Ça, c'est aussi le lien du lieu du ciel le plus élevé au ciel le plus bas. Allah SWT a fait descendre, dans l'une des interprétations, le Coran avant qu'il soit révélé sur la terre sur 23 années. Ça veut dire qu'il y a, dans ce mois qui va entrer, quelque chose qui est une bénédiction, où tout ce qui est de l'ordre du mal et des démons est attaché, et tout ce qui est du bien et des anges est libéré. Allah SWT nous fait rentrer dans un mois où c'est un mois de la bénédiction. Mais faites attention, c'est tout le mois qu'est la bénédiction. Parce qu'il y en a certains qui se disent, je jeûne pendant la journée, je me tiens bien pendant la journée, et la nuit, yallah. La nuit, c'est le Seylat Ramadan. Ça, dans nos pays majoritairement musulmans, il y en a qui sont jamais, ils n'ont jamais autant utilisé la télévision que pendant le mois du Ramadan. Donc nous, on comprend les règles, mais on ne comprend pas que si ce mois-là, il a été déterminé par Allah SWT, que c'est le mois où on va retrouver comme musulmans, comprenez bien, ce mois-là, en jeûnant, nous retrouvons dans le jeûne quelque chose qui est spécifiquement islamique, mais qui touche à l'universel de tous les messages. C'est là qu'on comprend le dernier verset qui vient dans le Coran. Ce n'est pas le dernier verset, mais celui qui annonce la fin de la révélation. Ce n'est pas le dernier verset révélé. « Liyaum akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Alors, ce n'est pas simplement la fin de l'islam des 23 années, c'est « j'ai parachevé, toutes les religions vont s'arrêter là. » C'est le dernier. « Khatim al-Anbiya » c'est le dernier des envoyés. Et tout ce qui est venu auparavant, c'est là que ça s'arrête. Et là où ça s'arrête, c'est que le jeûne qui a été prescrit par tous, pour vous, il est ce mois-là. Et ce mois-là de jeûne, qu'est-ce qu'il est? Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. « Shahru Ramadan wa shahru al-Qur'an » C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant se réconcilier avec quoi? Quand on dit « Shahru al-Qur'an », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement se dire « chaque jour, je vais lire un trentième du Coran. » Et il y en a, quand ils lisent le Coran, ils se disent un trentième, ils comptent les pages. Mais ce n'est pas ça, lire le Coran. Le Coran, ce n'est pas je compte les pages qui me donnent un trentième, c'est je comprends le sens qui me donne la lumière. El-Qur'an huwa nur. Le Coran, c'est de la lumière, ce n'est pas des pages que l'on compte. C'est quelque chose. Quand Allah SWT a dit au début de la révélation, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va faire, il ne dit pas le poids du livre. C'est le poids des pages, c'est le poids du sens. C'est le prophète sallam qui en pleurait. Inna hazal qur'an nadala bihuzn. Il a été révélé avec de la. Pourquoi? Il y a quoi comme tristesse? C'est parce qu'il est porteur de sens. Attention, ce qui vient là, c'est lourd. Dans le langage de la cité, c'est du lourd. Mais c'est du lourd au niveau spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez jeûner, il faut vous réconcilier avec le Coran. Et quand vous vous réconciliez avec le Coran, vous réconciliez avec le sens des choses. Pas le livre que l'on lit dans la quantité, mais le sens que l'on observe dans la qualité. La qualité. Et donc ce mois-là, c'est un mois où quand on va commencer à s'y préparer, il faut qu'on se prépare à quoi il sert ce mois. Qu'est-ce qui est le sens? Quand est-ce qu'on va se rapprocher de ce Coran? Ça dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ce mois qui vient, qui est le mois du Coran dans lequel on va se préparer à la lecture, il doit, pour maintenant, parce que vous savez que dans deux cas, le hadith du prophète, il dit, « Man sama ramadan » c'est-à-dire Allah SWT il dit celui qui jeûne le Ramadan imanan, c'est-à-dire plein de foi, wahtisaban, c'est-à-dire avec conviction, avec engagement, Allah SWT lui
pardonne ses fautes. Et il est dit la même chose, man qama laylat al-qadr, c'est-à-dire celui qui va se lever pendant laylat al-qadr, qui va la chercher, et ben Allah subhanahu wa ta'ala imanan wa ihtisab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans cette perspective-là, il va lui faire il va lui effacer ses fautes. Ça veut dire quoi, effacer ses fautes? Ça veut dire qu'il y a dans ce mois, comme il y a dans Laylatul Qadr, quelque chose qui est lié à la purification. Et on se souvient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il dit « Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakikum » Le premier élément c'est « tazkiya », c'est-à-dire qui va vous purifier. Donc la lecture du Coran « Yatlu alaykum ayatina » Il va vous lire. Vous avez revenir au Coran pour faire quoi? Liyuzakikum, c'est-à-dire pour vous purifier, wa yuallimukum al-kitaba wal hikma. El kitab, c'est le livre. La hikma, c'est deux choses. Selon les savants, ils disent la hikma, c'est la sunna du prophète, as-salam, c'est le kitab. Wal hikma. Mais qu'est-ce que ça veut dire la sunna du prophète? C'est-à-dire que l'application du Coran dans notre vie quotidienne devient la sagesse. Parce qu'on suit le prophète, as-salam. On suit le prophète. Et c'est aussi la sagesse. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un de sage? Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui connaît les principes et qui agit à la lumière de ses principes. Il a l'équilibre des sages et non pas la contradiction des égarés. Le sage, c'est ça. C'est celui qui sait où il va. Quand nous, on nous dit, quand on revient dans ce mois et qu'on entend Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « J'ai envoyé parmi vous un envoyé qui va venir vous lire ce Coran. » Pour faire quoi? Pour vous purifier. Donc le mois du Ramadan, qui est le mois du Coran, c'est le mois de la purification. Vous refaites le lien et vous comprenez, c'est le mois de... Mais attention, le mois de la purification passe aussi par quoi? Par le mois de la connaissance. C'est-à-dire, la connaissance du Coran et la connaissance de la vie du prophète. Et c'est là que quand on doit toujours faire les deux, s'approcher du Coran, s'approcher du prophète. Comment est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il vivait le mois du Ramadan? Et d'un autre côté, qu'est-ce que c'est que ce Coran et qu'est-ce qu'il nous rappelle? Eh bien, le Coran, qu'est-ce qu'il va nous rappeler? La première des choses, c'est pendant le mois du Ramadan, puisqu'on ne mange pas, puisqu'on ne jeûne pas, c'est attention à votre comportement. Et l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, il disait, il y a trois niveaux du jeûne. Il y a le jeûne qui est le jeûne du corps, c'est-à-dire le fait qu'on ne va pas manger, on ne va pas boire. Ce qui est ce que font la majorité des musulmans. La moyenne des musulmans, on ne mange pas, on ne boit pas, et pas de relations sexuelles pendant la journée, on ne fume pas. Ceux qui ont quand même des doutes sur le fait « je peux fumer si j'avale pas la fumée », non. Oui? C'est clair? Non. C'est pas une petite cigare, non. Déjà, moi je ne sais pas comment certains peuvent penser que c'est halal en dehors du mois, je ne sais pas. Pour moi, c'est même... Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, ma fatwa, moi c'est... On ne fume pas. Pour moi, c'est aussi grave que des péchés qui vont être de s'intoxiquer à l'alcool, le fait de s'intoxiquer à la fumée, mettre de l'argent dans un produit qui vous mange la santé, qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours, et toi, tu mets des euros pour acheter du produit qui te tue le corps. Je ne sais pas comment quelqu'un peut penser que c'est peut-être... Ça ne rentre pas le ramadan. Et puis quand on ne sait pas, on dit « Fihi ra'yen ». Ra'yen, il y a deux opinions. Pour moi, il n'y en a pas. Et quand le savant dit comme... comment est-ce qu'il s'appelle Abu Hanifa, il comprenait les gens quand ils disaient « makrouh », c'est parce qu'il n'osait pas dire « haram ». Mais quand on entendait qu'il disait « makrouh », ça veut dire « akraho », c'est-à-dire « je déteste ça », c'est du fait du détestable, ça voulait dire « il faut s'éloigner de ça ». Maintenant, pour ceux qui ont encore des doutes sur le mois du Ramadan, non, il n'y a pas de doute, en tout cas pendant la journée, de tout cela, on s'éloigne. Ça, c'est le premier niveau. Puis un deuxième niveau, c'est le fait des organes, c'est-à-dire le jeûne de notre main, le jeûne de nos yeux, le jeûne de nos oreilles. Et puis, il y a un troisième, c'est le jeûne du cœur. C'est-à-dire, ça, c'est ceux qui travaillent très, très profondément leur spiritualité. Chacun d'entre nous commence au premier niveau, mais certains parviennent au dernier et d'autres n'ont même pas commencé à marcher. Et le prophète sallam dit, certains d'entre vous ne garderont dans leur jeûne que le fait de s'être sevré ou de s'être empêché de manger et de boire. C'est tout ce qu'il y aura. Ils n'auront fait que ça. Mais le mois du Ramadan, si on comprend bien, c'est le mois du Coran pour nous purifier. C'est purifier quoi? D'abord, la première des choses,
comme le dit toute la tradition mystique en islam, la profonde tradition mystique, pas ceux qui sont les soufis contemporains où ils disent, non, moi je parle de ceux qui sont très très profondément, ceux qui comprennent l'islam comme quand on est proche de Dieu, c'est pas qu'on enlève la prière, c'est pas qu'on enlève le jeûne, c'est qu'on ajoute du jeûne, qu'on ajoute la... comme le prophète Assalam. Le prophète Assalam, il voulait pas montrer trop aux gens pour pas trop peser, et pendant la nuit, lui, il priait plus quand personne ne le voyait. Nous, les mystiques d'aujourd'hui, ils sortent, ils prient pas, ils disent à tout le monde qu'ils sont mystiques, et dans la nuit, ils dorment. Elle dit, attends, non, c'est pas ça. Le prophète, son exemple, c'est devant les gens, il prie pour pas trop faire pour eux. Même le tarawih, le prophète n'a pas continué pour que ça ne devienne pas une obligation. C'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire il le priait, mais lui, il est rentré pour pas que ça devienne quelque chose qui soit une obligation. Regardez comment il est, lui, c'est un éducateur. Quand il voyage et qu'il est avec sa femme, Aïcha, radiallahu anha. Et que lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, la communauté derrière lui, il sait que toute la communauté le regarde. Donc lui, il raccourcit les prières, et puis elle ne les raccourcit pas. Il jeûne pas, elle jeûne. Et elle lui dit, mais comment ça se fait? Moi, je jeûne, et moi, je ne raccourcis pas les prières. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond de elle à elle, Ahsanti ya Aisha. C'est-à-dire, tu fais bien, toi, de toi à toi, min el azima, c'est-à-dire, tu tiens. Mais moi, lui, il éduque des gens. Donc, quand les gens le voient, il prie moins, selon les règles. C'est-à-dire, il prend bel rochas, c'est-à-dire l'allègement. Mais quand tout le monde dort, lui, il prie. Et il prie toute la nuit. Vous voyez, la sincérité, c'est quand vous me voyez, j'allège, quand vous dormez, j'augmente. Ça, c'est le soufisme. Ça, c'est l'islam. C'est pas quelqu'un qui, chaque fois que tu lui parles, moi, je suis un mystique. Je suis en communication 24 heures sur 24. Non, c'est pas ça. Ça, c'est du folklore. C'est du folklore, c'est de l'exotisme. Regardez comment les prophètes, quand on le voit, j'allège parce que j'éduque. Mais quand je suis avec Dieu, j'approfondis parce que je me purifie. Est-ce que tu dors, Ya Rasulullah? Lui dit sa femme, mon corps dort, mais mon cœur est éveillé. Vous savez, beaucoup de gens, ça, vous savez d'où je peux venir dans ma famille. Il y a une chose que j'ai jamais... Dans l'introduction que j'ai faite au Marthurat de Hassan el-Banna, rahimahullah, dans les introductions, il y en a qui ont... De ce que j'ai gardé... Parce que ça, c'est aussi, ils voyageaient. C'était pas comme nous, là, où tu as ce métro, l'avion, le TGV. TGV en Égypte, ça aurait été le luxe. Oui, le TGV, pour l'Égypte, c'est la Ferrari, quoi. Il n'y a pas là. Mais là-bas, à cette époque-là, il n'y avait rien de tout ça. Ils voyageaient, ils étaient fatigués. Moi, mon père, rahimallah, il me disait, on arrivait, on avait les lèvres qui se touchaient tellement on était déshydratés. Et lui, il voyage comme ça pendant des jours, et à un moment donné, il se trouve avec son compagnon, donc Hassan el-Banna, et il lui dit, c'était Omar el-Tilmessani. Omar el-Tilmessani, il l'a dit, el-Murabbi, c'est-à-dire, il l'a appelé l'éducateur. Ils arrivent, ils sont fatigués, et ils arrivent dans une chambre comme ceci, et lui dit, ya Omar, tu dors? Et lui dit, non, je dors pas. Et ils restent allongés tous les deux. Après 20 minutes, il lui dit, Omar, tu dors? Et il dit, non, je dors pas, il reste allongé. Et c'est Omar el-Tilmessani qui raconte cette histoire-là. Il raconte ça sur celui qui l'a éduqué. Et après 20 minutes, il lui dit, tu dors? Et lui, il dit, moi, j'ai pensé que je le gênais un tout petit peu si j'étais tout le temps en train de lui dire, je dors pas. Il dit, j'ai pas répondu. Et comme j'ai pas répondu, il a pensé que je dormais. Et lui, il se lève, il met le tapis et il fait la prière. C'est-à-dire, si tu dors et que tu me vois, je vais te gêner parce que tu vas venir avec moi. Mais comme il pensait qu'il dormait, il le fait pour Dieu, il ne le fait pas pour l'autre. Vous voyez ça, vous le prenez, ça c'est l'exemple du prophète, et c'est ça que nous devons faire. Pour nous, c'est cette sincérité-là. Le début de la purification de soi à soi, c'est de le faire pour lui, pas de le faire pour les autres. Et le jeûne, c'est ce que dit Allah SWT. Quand il dit dans le hadith al-Qudsi que ça c'est pour moi, il dit, vous ne jeûnez pas pour votre voisin, vous ne jeûnez pas pour votre papa, vous ne jeûnez pas pour votre maman, vous ne jeûnez pas pour votre enfant, vous ne jeûnez pas, vous jeûnez de vous à vous pour moi. Et c'est entre toi et moi. C'est la sincérité ultime. Donc à partir de ce moment-là, on rentre avec, c'est à ça qu'il faut se préparer.
Donc c'est ce travail de purification-là. Et ça veut dire, si vous pouvez, alhamdoulillah, après c'est une question de discipline. Le mois du Ramadan, vous savez quand il est dit, El Fajr c'est comme ça, le Maghrib c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Inna salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta. Ça veut dire quoi ? La prière, elle est selon des horaires déterminés. Le fait de différencier le fil blanc d'un fil noir, ça veut dire quoi ça ? En termes psychologiques, ça veut dire entrer dans le mois du Ramadan avec discipline. Soyez disciplinés. C'est pas je fais n'importe quoi. Parce qu'il y en a certains. Quand le prophète a salam, il dit suhur baraka, c'est-à-dire il y a une miséricorde, il y a un bienfait, une bienfaisance dans suhur. Pourquoi ? Il y en a certains, ils mangent le soir, ils restent réveillés toute la nuit, et puis suhur, il dit j'ai pas besoin de manger parce que je vais tenir. Regardez. Quelqu'un qui pense avec son corps, il dit, je ne me lève pas, je dors jusqu'à 10 heures, quand ce n'est pas 11 heures, quand ce n'est pas midi, et puis je n'ai pas besoin de manger, et je tiens. Qu'est-ce qui tient ? Ton corps. Mais le jeûne, ce n'est pas que ton corps tienne, c'est que ton cœur s'ouvre. Et alors, il faut se lever pour être parce qu'il y a une baraka. C'est là où il y a des anges, c'est là qu'il y a... Il faut se lever. Lève-toi et discipline-toi à te lever. Et quand tu te disciplines à te lever pour es-suhur, ça veut dire que tu vas dormir un tout petit peu plus tôt, ça veut dire que tu vas dormir de façon plus régulière, et tu vas gérer ta fatigue. Tu vas gérer ta fatigue. Tu ne vas pas laisser ta fatigue l'emporter, parce que certains jeûnent avec discipline, prient et mangent de façon indisciplinée. Or, le mois du Ramadan, c'est parce que tu jeûnes avec discipline, il faut discipliner tout le reste. Ta prière, ton repas et ta façon d'être avec les règles. Donc, il faut tout changer. C'est un mois de rupture. Pendant 11 mois, tu as pu vivre indiscipliné. Ce mois-là, discipline à nouveau. Pour que ce mois-là, puisqu'il a dit « Imanan wahtiseb », c'est-à-dire parce que c'est avec foi, parce que c'est avec conviction, c'est pour t'aider à revenir pendant les 11 mois qui viennent avec un peu plus de discipline. Mais comme Allah SWT, il nous connaît et qu'il sait qu'on commence avec la discipline et qu'on finit avec moins de discipline, bon, le mois du Ramadan revient. Comme le Yom al-Jum'a revient. Comme la prière revient 5 fois. Parce que nous sommes des êtres d'oubli, parce que nous sommes des êtres de négligence, parce que nous avons été créés faibles. Bref, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui ont... des faiblesses qui sont même dans notre constitution intellectuelle. Il faut dire le Coran, c'est dire, ça veut dire quoi ? Rappelle-toi parce que ta conscience oublie. Donc quand on rentre dans le Ramadan avec ceci et qu'on comprend qu'il faut discipliner son corps, après on va discipliner sa lecture avec le Coran. Et ça aussi, c'est très important quand on va se préparer pendant le mois du Ramadan. Faites très très attention à ça, parce qu'il y en a certains qui se disent chaque jour je vais lire un trentième du Coran. Comme ça, je l'aurai terminé. C'est bien. Si vous pouvez le faire de cette façon-là, c'est bien. Mais attention, ne faites pas en sorte de vous imposer une quantité qui va vous faire perdre la qualité. Vaut mieux lire moins et profondément que lire beaucoup et mal. Parce que la lecture qui compte les pages est une lecture de comptable. La lecture qui lit le sens est une lecture d'adorateur. Al-qira'a ta'abboudiyya, ce n'est pas les pages. Al-qira'a ta'abboudiyya, il y a ta'abboud. Et l'ibada. Et ça, c'est une chose qui est très très importante, qu'il faut absolument, parce que c'est comme ceci. Yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum, c'est-à-dire attention, faites attention. N'ajoutez pas en quantité ce que vous ne pouvez pas supporter en compréhension. L'essence là. Donc il vaut mieux se dire, chaque jour, si je vais à la prière, je vais vers le tarawih, alhamdoulilah, l'imam il va lire le Coran, je vais pouvoir suivre. Mais moi, chaque jour, de façon disciplinée. Donc je me donne quelque chose. Et le prophète, salam, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'Allah SWT, il aime ce qui est fait, les petites choses, mais qui durent. Et il y en a certains d'entre nous, le premier jour du Ramadan, ils te lisent bien. Deuxième jour, bien. Troisième jour, pas mal. Quatre. Presque pas. Et puis les 10 derniers jours, halas. Le prophète, c'était le contraire. C'est 20 jours où on se bat, et les 10 derniers jours, il en réveillait sa famille, il en rajoutait. C'est là où il y a le djihad, c'est là, c'est dans cette fatigue-là. Mais c'est pas 20 jours. Non, nous, c'est le contraire. Même, vous savez, moi, je fais des chroniques tous les jours. Si vous allez sur le site, chaque jour de Ramadan, je fais une chronique de 3 minutes. C'est très marrant, parce que moi, je peux voir comment sont les musulmans. Je peux vous dire psychologiquement, le premier jour de la chronique, mashallah, des milliers qui écoutent.
Le dernier 10 jours, un peu moins, ils sont fatigués. Il dit, mais attends, mais on n'a pas compris là. On n'a pas compris. C'est pas, on ne fait pas le ramadan avec émotion, on fait le ramadan avec spiritualité. Donc il faut tenir et puis il faut se dire, voilà, j'en ai pour un mois et je vais aller en accroissant, pas en diminuant. C'est pas le premier jour je suis prêt et le dernier jour je disparais. Non, c'est le premier jour, je suis prêt à me préparer toujours un peu plus, toujours un peu plus, pour que les 10 derniers jours, quand on va rentrer dans la recherche de Laylatul Qadr, de la nuit du mérite, du destin ou la nuit du pouvoir, eh bien on soit prêt. Parce que là, Khayrun min alfi shahr, c'est une nuit, elle vaut plus que 1000 mois d'adoration. C'est une nuit qui, où véritablement tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approche de vous, il envoie ses anges, c'est une nuit. Parmi les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt. Donc tout ceci, il faut entrer dans le mois du ramadan avec, vous savez, intellectuellement, spirituellement et personnellement, un mois de discipline. Et on va, de ce point de vue-là, avoir un rapport au Coran, un rapport à la prière, où il faut être engagé personnellement. Engagé. Et attention, ne comptez pas les pages, donnez-vous le contenu où vous êtes sûr de pouvoir garder le sens. Maintenant, il y en a certains d'entre vous, alhamdoulilah, ils lisent en arabe et ils comprennent. Alhamdoulilah, si vous lisez en arabe et que vous comprenez, alors, mais parfois vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez entendre en arabe et parfois vous prenez la traduction. Pourquoi ? Parce qu'il a dit yu'allimukumul kitaba wal hikma. Il y a et ta'lim ici, c'est l'enseignement. Et il est vrai que quand vous ne connaissez pas l'arabe et que vous connaissez le français, ben, vous pouvez lire en français le sens. Moi, j'ai une personne qui s'est convertie à l'islam. Elle allait faire le tarawih, c'était à Genève. Et chaque fois avant le tarawih, elle lisait tout en français. De façon à ce qu'en arrivant à la mosquée, au bout d'un moment, en lisant en français, les mots reviennent, on commence à comprendre ce qui est dit. Et plus vous comprenez, plus vous êtes concentré. La concentration vient avec la compréhension. Mais si vous ne comprenez pas, évidemment, après, votre esprit peut partir. Nous sommes dans un devoir de compréhension. Donc vous avez les moyens. Quelqu'un qui me dit après des années de jeûne, mais je ne comprends pas l'arabe, je dis attends. Avec 1000 mots que tu comprends de l'arabe au français, quand tu entends le Coran, tu commences à comprendre jusqu'à 60% de ce qui est dit. Et même plus. Donc, et ça tu vas l'apprendre comment ? Ben, tu sais l'ibé. Parce qu'on est très organisé pendant le mois du ramadan. C'est presque ce que l'imam va dire, où il s'est arrêté, où il va commencer. Donc on le lit en français et on y va et on écoute. Et les mots commencent à entrer, on commence à s'habituer aux choses. On commence, et finalement, ça devient notre culture. Et après 1, 2, 3, 4 ramadans où on a fait ça, ou entre les ramadans, on s'est habitué à faire comme ça, eh bien, le Coran en arabe devient accessible. Comment ça se fait que des gens qui sont convertis à l'islam, après 2 ans, 3 ans, ils ont une compréhension des grands thèmes du Coran, et que des musulmans qui le sont depuis leur naissance, ils viennent te dire, ben moi je ne connais pas l'arabe. Donc, quel effort tu as fait de comprendre ce qui était dit quand le Coran était lu ? Quel effort tu as fait ? Puisque c'est le mois où... Donc, il faut lire à un moment donné, on lit, et puis même en français, on lit en arabe, on lit en français. Si on ne peut pas lire en arabe, on a le sens en français. Le Coran, le sens du Coran est accessible en français. Ce n'est pas le Coran, mais le sens est accessible. Raison pour laquelle, quand on traduit le Coran, il ne faut pas dire traduction du Coran, c'est la traduction du sens du Coran. C'est le sens qu'on traduit. Mais quand on a le sens, on commence à entrer, on commence à voir les histoires. Et là, c'est comme... Mais il y a des pays entiers qui sont venus à l'islam par le sens du Coran sans comprendre l'arabe. Pour que vous, qui êtes ici en France, vous puissiez dire après des générations, je ne comprends pas. Mais ça, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Et le contraire de Ramadan, c'est la paresse. Le ramadan, l'attitude qui est imposée à la musulmane et aux musulmans pendant le ramadan, c'est pas de la paresse, c'est l'engagement dans la lecture. Donc ça, c'est une première des choses. Dans ce qu'on doit faire par rapport à la prière, eh bien, faire sa prière à l'heure, parce que c'est le mois où on doit pouvoir s'y habituer. La troisième des choses, c'est que il y a le jeûne, ce que je vous disais, le jeûne du corps. Et ensuite, il y a un deuxième, c'est le jeûne des membres. Et le jeûne des membres, Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala dit inna al basara, c'est-à-dire inna sama, c'est-à-dire tout ce qu'on entend.
tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout ce qui vient à l'intérieur, tout ça, on va être questionné. Inna sama wa basara wal fuad. Tout ça, on va être questionné. Eh bien, inna sama, ça veut dire on peut jeûner même dans ce qu'on entend. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous et qu'il peut vous dire des choses qui ne doivent pas être entendues, il dit « Je ne veux pas entendre ça. Mon oreille, elle jeûne. » Ou le basara, c'est-à-dire ce que vous regardez à la télévision. Vous avez besoin d'un mufti qui vient de vous dire « Haram ». Vous savez très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas regarder à la télévision. Et quand on jeûne, la télévision, il faut l'éteindre. Notre relation au jeûne est inversement proportionnelle à notre relation à la télévision. Et s'il vous plaît, ne rompez pas le jeûne avec la télévision allumée. Je veux dire, juste pour le l'adhan, juste, et puis après on éteint, d'accord. Et si vous pouvez mettre la radio, c'est mieux. Mais quand on mange en famille, on mange en famille. Allah est avec nous et notre amour est entre nous. Mais pas de télévision. Pas d'autre chose que nous. C'est la famille, on est ensemble. Il y en a, ils ont jeûné chacun dans leur coin, ils viennent le soir, ils se mettent autour de la table, ils allument la télévision et ils coupent le jeûne en regardant la télévision. Alors c'est vrai, ils regardent tous dans la même direction. Mais ils ne sont pas autour de la même table. C'est pas possible ça. La télévision, il faut savoir l'éteindre. Et même, vous pouvez maintenant, on peut enregistrer une émission. Là, par exemple, moi, je fais une émission sur Iqra tous les jours pendant le Ramadan. On me dit, c'est juste au moment de la coupure du jeûne. Et bien, moi, ce que je vais vous conseiller, surtout, vous ne la regardez pas à ce moment-là. Vous enregistrez, vous la regardez plus tard. Mais pas pendant qu'on va manger ensemble. Pas pendant qu'on va rompre. On prend, regardez la discipline, on prend juste de l'eau, de la date, on fait les invocations, puis ensuite, on va prier Salat al-Maghrib, puis ensuite, on mange ensemble. Alors après, c'est culturel. Il y en a qui ont un petit repas, puis ensuite, 3 heures plus tard, ils mangent. Enfin, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Parce que quand moi, je vais souvent au Maroc pendant le mois du Ramadan, j'ai jamais compris. C'est Masri. Swissri, Masri, yani. Bon. On coupe le jeûne, on attend, vous faites comme vous voulez. Mais il y a une chose qui est importante, qui fait partie du jeûne. Quelle que soit la façon dont vous mangez, la façon dont inna sama wal basara wal fuad, tout ça qui vous allez être questionné dans votre vie quotidienne, encore plus pendant le mois du Ramadan, il faut jeûner avec ses oreilles, vous jeûnez avec ses yeux, il faut jeûner avec tout ce qui vient à l'intérieur, il faut jeûner avec ses mains, il faut éviter le haram avec ses mains, il faut éviter d'aller à des endroits où on ne doit pas aller. Tout ça, il y a du jeûne là-dedans. C'est bien, ton corps il jeûne, ton estomac il jeûne, ta main elle jeûne, tes yeux ils jeûnent, tes oreilles ils jeûnent. Est-ce que ça jeûne ça quand quelqu'un vient vers toi et qu'il t'insulte? Il y en a certains, ils viennent vers moi et me disent, j'ai un problème avec ce collègue parce qu'il jeûne. Quand il jeûne, il est énervé. Alors il y en a un qui vient au travail parce qu'il jeûne et dit, moi je jeûne, pas vous, hein, t'arrêtes de m'énerver. Et dit, mais attends, si tu jeûnes, c'est le contraire qu'il faut être. Il faut être gentil, il faut être doux. Il y a même un djihad de la maîtrise. Quand il a dit, qui est le fort parmi vous? Dans la vie quotidienne, qui est le fort? C'est celui qui maîtrise sa colère. Pendant le jeûne, quand tu vas être fatigué, que tu peux être émotionnel, ben c'est là qu'il y a le vrai djihad, tu te maîtrises. Quand les gens vont te dire quelque chose, tu ne viens pas dire à la personne, tu arrives une heure en retard au travail, tu dis, mais attends, c'est une heure en retard, il dit, mais attends, excuse-moi, je jeûne. Parce que le jeûne, maintenant, ça te permet d'être en retard, de partir avant. Parce qu'il y en a, ils viennent en retard, ils partent avant et ils s'énervent. Après, ils disent, ils n'aiment pas l'islam. Ouais, non, mais attends, si c'est ça l'islam, c'est l'islam, c'est quoi? Pendant que tu jeûnes, tu arrives en retard, tu pars avant et tu t'énerves? Ou alors, tu arrives à l'heure, tu travailles bien et tu es serviable? Est-ce que c'est pas ça, le prophète, al-salam? C'est ça, la purification, c'est quand tu es au travail, tu vas... Et donc, on se prépare à ça. On se dit, ça va être difficile, mais avant de maintenant, dans votre travail, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on voit la présence. Pas le fait que vous disiez aux gens « je jeûne ». Il ne faut pas qu'ils vous voient dans le fait de ce dont vous vous privez, vous, mais de ce que vous leur donnez à eux. Écoutez bien ce que je viens de dire. Les gens autour de vous, ici dans ce pays, il ne faut pas qu'ils vous voient jeûner dans la façon dont vous vous privez, mais dans ce que vous leur donnez. Je me prive, moi, mais voilà ce que je te donne. Ma bonté et quoi? Ma générosité.
La générosité, c'est quoi? Le prophète sallam n'était jamais autant généreux que pendant le mois du Ramadan, n'est-ce pas? Vous savez ceci. Le prophète sallam était très généreux. Mais c'est quoi la générosité? C'est simplement de donner de l'argent? Oui, c'est de donner de l'argent. Mais c'est de donner un sourire. Mais c'est de tenir la porte. Mais c'est de servir les gens. C'est de la générosité. La générosité affective, la générosité verbale, la générosité de la présence, la générosité de l'éthique, de la distinction, de la morale. Voilà ce que nous devons être. Et ça, ça nous renvoie à nous, parce que c'est là où on sent qu'on apporte quelque chose. Le mois du Ramadan, c'est une école, c'est une lumière pour les gens. Il faut qu'ils voient ça. Pas chaque fois qu'ils vous voient, je jeûne. Mais tais-toi. Tais-toi, ne dis pas que tu jeûnes. Montre-le différemment. Que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est aussi gentil? Et qu'ils cherchent la réponse. Pourquoi il est aussi gentil? Du style, pendant 11 mois, vous n'êtes pas toujours très gentil, mais là... Nous, c'est le contraire. Nous, c'est le contraire. On n'est pas toujours très gentil pendant 11 mois, mais alors ce mois-là, on est énervé. Donc, voilà. Ça, c'est la générosité, c'est ça. Et donc, il faut qu'on soit comme ceci. Et c'est bon pour nous, parce que ça, c'est le jeûne de nos membres. Et puis... L'imam El-Ghazali disait, il y a le jeûne du cœur. Et le jeûne du cœur, c'est la maîtrise de tout ce qui pourrait venir dans notre cœur, c'est-à-dire tout ce qui vient en nous et qui n'est pas bien, eh bien, ça, il faut aussi le purifier. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous savez, un de ceux à qui on a annoncé le paradis était quelqu'un qui, quand l'autre compagnon est allé le surveiller, il n'a rien vu de parti. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il ne jeûne pas beaucoup plus que les autres, il ne prie pas plus que les autres. Il dit, moi, quand je vais me coucher, mon cœur et mon intérieur, il est vide de tout ce que je pourrais avoir de négatif par rapport aux gens. C'est-à-dire, je suis purifié de mes mauvaises appréhensions, de mes mauvaises pensées vis-à-vis des gens. Eh bien, ça, c'est aussi le jeûne du cœur, c'est-à-dire qu'on purifie, qu'on travaille sur notre fraternité, notre relation. Vous avez un papa, vous avez une maman, vous avez un frère, une sœur, vous avez des enfants. Pendant ce mois-là, si votre papa il est encore vivant, si votre maman est encore vivante, si votre papa est décédé ou votre maman est décédée, c'est le mois où le jeûne du cœur s'est réconcilié, c'est la terrahim. Si le terrahim, ou le rahman. C'est-à-dire, il faut le jeûne du cœur, c'est enlever du cœur les mauvaises pensées, emplir le cœur des meilleurs. Pensée, des meilleurs sentiments. C'est de pardonner, Rahman. C'est être comme ça, Rahman. Mais non, ça c'est un vrai djihad. C'est un tiers du Ramadan, c'est Shahrul. C'est un tiers, c'est Rahman. C'est la miséricorde. Donc il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on soit comme ceci. Et tout ceci, il faut qu'on le soit d'autant plus avec sa famille. C'est-à-dire toujours avec le cercle concentrique de ceux, avec la communauté. Et puis, deux choses que vous devez faire pour conclure. La deuxième des choses que vous devez faire pendant le mois du Ramadan, c'est que le prophète, il faisait des invocations. Et il est dit, vous savez qu'il y a deux hadiths, un est sahih, l'autre il est faible. Le hadith qui est sahih, c'est « Ad-du'a ou al-ibada ». Ça, c'est le sahih. « Ad-du'a ou mukh al-ibada », ça, c'est un hadith da'if. Il veut dire, en fait, le sens est le même. C'est-à-dire que ça veut dire que l'adoration de Dieu, c'est le fait de faire des invocations. Et là, pendant ce mois, pendant que vous jeûnez, pendant la nuit, pendant le jour, au lieu de regarder des films pendant la nuit, au lieu de passer votre temps à le perdre, au lieu de dormir pendant le jour, passez du temps à faire des invocations, à communiquer. Qu'est-ce que c'est l'invocation? Vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous prenez le Coran, vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous faites des prières, et chaque fois que vous faites des doigts. Et là, c'est ce que vous lui demandez systématiquement. La prière, les invocations, c'est quoi? On se souvient de Dieu, on se reconnecte à Dieu, on lui montre notre besoin de lui. C'est prier, c'est quoi? Prier, c'est demander. Et la troisième des choses, c'est le remerciement. Aneshkurillah. C'est-à-dire, demander, c'est le remercier aussi pour tout ce qu'il nous donne. Le mois du Ramadan, il faut s'habituer à ça. Alors là, maintenant, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à être dans la discipline, dans la lecture, dans... le jeûne du corps, dans le jeûne des membres, dans le jeûne du cœur, dans les invocations. Et l'autre chose, il faut que les gens vous voient, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure de la viande halal. Le mois du Ramadan, c'est un mois où l'on mange moins. C'est un mois où l'on regarde sa nourriture.
Le prophète, même quand il vous dit, même un tiers pour par rapport à ton estomac, un tiers, laissez un tiers de vide. Pourquoi ? Attention, n'exagère pas d'excès. Vous êtes devenus un marché, vous savez ça ? Dans l'économie capitaliste, le mois du Ramadan est devenu un marché. On fait de l'argent avec vous. Dans les grandes surfaces, on met des... Alors vous pouvez regarder ça, vous dites, regarde ça. Regarde comme ils reconnaissent l'islam maintenant. Ils mettent des rayons halal. Et toi, tu dis, mashallah, tu commences à te sentir chez toi. Alors lui, il commence à te montrer, regarde comme c'est beau, il y a des dattes, elles viennent de partout. Parmi les dattes, parfois, et parmi les produits, parfois, il y en a qui viennent d'endroits où il y a des gens qui sont exploités, tu ne le sais même pas, il y en a qui viennent d'Israël, où tes frères et tes sœurs sont exploités jusqu'à la mort. Et toi, tu dis, bismillah. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'en ai fait une fatwa personnelle. Et je la défends partout. Et j'en ai parlé avec des ulama dans tout ce que... Mais moi, par exemple, jamais dans ma demeure, toute l'année d'ailleurs. Mais je ne peux pas comprendre, moi, par exemple, que vous ayez dans votre demeure, au moment du mois du Ramadan, que vous puissiez rompre le jeûne après le verre d'eau en buvant du Coca-Cola. Je ne peux pas comprendre, parce que la philosophie qui est là derrière est une philosophie de la consommation, de l'oppression, et absolument pas de l'élévation spirituelle. À un moment donné, il faut se poser la question, tu es ce que tu manges ou ce que tu bois. Donc à un moment donné, il y a un djihad aussi. D'où ça vient ce que je bois ? Alors, n'allez pas jusqu'à ces produits-là, mais au moins, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas des produits dont vous savez que ceux qui les ont produits exploitent des êtres humains. Au moins, vous ne faites pas ça. Au moins, ça, c'est l'éthique du Ramadan. Au moins, vous êtes dans la résistance. Pour pas que vous deveniez un marché qu'on utilise. On vous met un bon rayon, il y a un bon parfum oriental, il y a des petites dattes, c'est comme chez nous. Et l'argent, c'est chez eux. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait attention d'où vient le produit. Et dernier élément, on mange moins. On ne commence pas à s'empiffrer, donc on ne commence pas à rajouter. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a des pays, maintenant on a fait des comptes, que ce soit... Mais vraiment, il y a 6 pays majoritairement musulmans, on a regardé les quantités de consommation, elles augmentent pendant le mois du Ramadan. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, on n'a pas compris. Alors vous, à un moment donné... Rentrez à la maison, vous en parlez à votre épouse, ou les épouses en parlent à leur mari, ou les enfants en parlent à leurs parents, ou les parents en parlent. On va manger moins. On fait un petit repas. On est ensemble. On va augmenter l'amour, diminuer la quantité. Et si ce n'est pas assez, on va augmenter d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut arrêter de commencer à amplifier les choses. Devenez dans ce... Mais parce que pourquoi je dis ça ? Parce que pour nous, c'est très important. Moins vous mangez, plus votre corps, il sent. On est dans un autre état d'esprit quand notre corps, il mange moins. Mais attendez, vous finissez le Ramadan. Vous êtes déjà fatigué. Et vous le savez, psychologie humaine, c'est comme ça. Plus tu manges quand tu es fatigué d'avoir jeûné, plus tu es encore plus fatigué une fois que tu as mangé. Et alors là, tu as envie de te coucher. Dis, ah là, il y a le tarawih. Et il y en a qui vont au tarawih, ils sont... Ils sont à moitié en train de dormir, ils ont tellement mangé. C'est pour ça que tout le monde avait expliqué au Maroc. On me dit, tu sais pourquoi on mange après ? On mange après parce que pour le tarawih, il faut qu'on soit bien. Donc on va prier le tarawih, on est bien, après on mange et là, tu vas dormir. Jusque ça. Quand on fait le suhoul. Bon bref, tout ça pour vous dire de la pondération, parce qu'il n'y a pas d'excès, c'est notre religion, pas d'excès. Ça c'est pour nous. Mais il y a une autre chose, et je termine là-dessus, nous sommes dans un pays... où aussi on doit montrer que nous sommes contre le consumérisme, contre l'argent pour dépenser. Ne faites pas du mois du Ramadan ce que les chrétiens ont fait de Noël. Noël, c'est devenu une fête familiale où on dépense pour des cadeaux. Nous, c'est en train de devenir une fête familiale où on dépense pour manger. C'est pas ça. Ne nous laissons pas coloniser par la consommation. Nous devons rayonner en France par la spiritualité et non pas nous laisser emporter par la consommation. Si les grands marchés sont en train de mettre de la viande partout, c'est que beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que le Ramadan. Et je vous l'ai dit, c'est El Kitab ou Al-Hikma, la sagesse, c'est ça. La sagesse, dans toutes les traditions, c'est toujours la pondération. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, à être pondérés et à se souvenir de l'essentiel.
Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant à se préparer dans la discipline et dans la générosité, inshallah, pour vous-même et pour la communauté. Salam alaikum.